fait chaud et croissant. Dès 7h du matin, les facteurs du centre de distribution de Dourdan s'étaient installés devant les portes de leur lieu de travail. Sur une vingtaine de facteurs, 16 ne travaillaient pas pour protester contre leurs conditions d'emploi. Ils déplorent notamment le principe de la sécabilité. Au niveau de l'emploi, on a de plus en plus de tournées à découvert. On répartit effectivement ces tournées qui sont supprimées donc, sur les tournées des autres facteurs. Les facteurs de Dourdan travaillent sur une base de 35 heures, 6 jours sur 7. Les salariés parlent de pression de la part de la Poste pour contraindre les employés à effectuer des heures supplémentaires. Selon les grévistes, le rythme est trop intense et ils demandent une augmentation des titularisations. Ce qu'on demande, c'est que d'une part, la direction donc, soit à l'écoute de ce que dit le personnel aujourd'hui, notamment en termes de contenu de travail, en termes de relations également par rapport effectivement donc aux facteurs, c'est-à-dire qu'on les écoute, qu'on leur permette, notamment donc dans les endroits où nous avons des contrats à durée déterminée, de pouvoir transformer ces contrats à déterminer en contrats à durée indéterminée. Le responsable du centre de distribution, Jean-Marc Jauvert, n'a pas souhaité s'exprimer ce matin à la caméra. Le service de presse devait contacter la rédaction dans la journée. En attendant, les salariés espèrent pouvoir s'entretenir avec la direction.